À la une, donc, Dominique de Villepin, candidat pour 2012. L'ancien Premier ministre avait paru hésiter ces dernières semaines. Il avait indiqué qu'il se prononcerait le 13 décembre. Annonce faite donc finalement avec deux jours d'avance. Dominique de Villepin, qui était l'invité il y a quelques instants de nos confrères de TF1, on l'écoute. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. La République, surtout quand elle est en crise, a besoin de se rassembler. Et ce que je veux, c'est rassembler tous les Français, ceux de gauche, ceux de droite, ceux du centre, et c'est l'idéal qui est le mien, de gaulliste. Olivier Mazerolle, bonsoir. Bonsoir. Alors il faut rappeler effectivement, et on le faisait à l'instant, que Dominique de Villepin avait paru hésiter ces dernières semaines. Beaucoup d'ailleurs pensaient qu'il allait renoncer. C'est tout de même une surprise cette annonce. Oui, effectivement, y compris d'ailleurs dans son entourage, pas forcément le plus proche, mais enfin des gens qui l'avaient accompagné, ils avaient constaté que finalement il avait abandonné la présidence de son mouvement République Solidaire, qu'il semblait...